For instructions on how to use this podcast and to access the transcript and English translation of this episode, go to www.frenchnaturally.wordpress.com. Bienvenue. Bonjour et bienvenue au cours Learn French Naturally, leçon 28. Conversation simulée. In this simulated conversation, the story will be in the third person feminine. For example, she looked. The questions will be in the second person feminine. For example, did you look? And your answers must be in the first person feminine. For example, yes, I looked. Ouais, c'est ça. Petit à petit. Petit à petit est synonyme de peu à peu. Petit à petit, des mots prononcés par hasard ont tout révélé à la narratrice. Comment Des mots prononcés par hasard. Ouais, c'est ça. Des mots prononcés par hasard. Pardon. Words or sentences. Des mots ou des phrases. Des mots. Des mots prononcés par hasard. Thus, when the little prince saw her plane for the first time, he asked her a question. Ainsi, quand le petit prince a vu son avion pour la première fois, il lui a posé une question. Pardon? Le petit prince a vu quoi Ton avion Oui, l'avion. Le petit prince a vu l'avion. My plane, mon avion. Comment Il a vu l'avion de... Qui Mon avion. Le petit prince a vu mon avion. Pardon, il a vu quoi Mon avion. Le petit prince a vu mon avion. Ainsi, quand le petit prince a vu ton avion pour la première fois, il t'a posé quoi Une question. Quand le petit prince a vu mon avion pour la première fois il m'a posé une question pardon il a posé une question ou il a répondu à une question le petit prince a poser une question il a posé une question à moins la narratrice the narrator will not draw her plane it is a much too complicated drawing for her la narratrice ne dessinera pas son avion c'est un dessin beaucoup trop compliqué pour elle. Madame la narratrice: Est-ce que le dessin est trop compliqué pour toi? Oui. En effet, il est trop Compliqué pour moi. Pardon, le dessin est trop facile, too easy pour toi Facile Non, au contraire, il est trop compliqué pour moi. Le petit prince a demandé. The little prince asked, What is that thing there? Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? La narratrice a répondu, It's not a thing. It flies. It's a plane. It's my plane. Ce n'est pas une chose, ça vole, c'est un avion, c'est mon avion. Pardon, est-ce que c'est une chose Mais non, au contraire, ce n'est pas une chose. Ah, alors c'est quoi C'est un avion. C'est mon avion. Pardon, c'est quoi Une voiture et car. Une voiture? Non, un avion. C'est mon avion. Ça vole. Ah. Ton avion flotte ou vole? Ça vole. Mon avion vole. Autrement dit, Il vole. And the narrator was proud to tell him that she knew how to fly. Et la narratrice était fière de lui apprendre qu'elle savait voler. Madame la narratrice Étais-tu fier? Oui, j'étais fier. J'étais fier de lui apprendre ça. Ah. Fier ou embarrassé? embarrassé? Non, au contraire, j'étais fière de lui apprendre que je savais voler. Pardon, tu étais quoi? Fier, j'étais fier. j'étais fier de lui apprendre que je savais voler. So the little prince asked if the narrator fell from the sky. Alors le petit prince a demandé si la narratrice était tombée du ciel. Oui, a-t-elle répondu modestement, modestly. Madame la narratrice, As-tu répondu Ouais, j'ai répondu. J'ai répondu oui avec modestie. Ah, uh -huh. non Au contraire, oui, j'ai répondu. Oui. Ah, that's funny, said the little prince. Ah, ça c'est drôle, a dit le petit prince. Pardon, c'est drôle Ouais. En effet, selon le petit prince, C'est drôle. Ah, c'est ordinaire? Non, au contraire, c'est pas ordinaire, c'est drôle. And the little prince had a very lovely burst of laughter that irritated the narrator a lot. Et le petit prince a eu un très joli éclat de rire qui a beaucoup irrité la narratrice. Qui a eu un éclat de rire Le petit prince. Il a eu un éclat de rire. Autrement dit, il a ri. He laughed. Ah, il a ri. Oui, en effet, il a ri. Le petit prince a ri. Qui a ri Toi, la narratrice Moi, non, je n'ai pas ri. C'est le petit prince qui a ri. Il a eu un éclat de rire qui m'a irrité. The narrator wants her misfortunes to be taken seriously. La narratrice désire que l'on prenne ses malheurs au sérieux. Then, the little prince added, So you too, you come from the sky. What planet are you from? Puis le petit prince a ajouté, Alors toi aussi, tu viens du ciel. De quelle planète es-tu? Can we deduce that the little prince comes from the sky? Peut-on déduire que le petit prince vient du ciel Oui, c'est exact. Le petit prince vient du ciel. On peut déduire que le petit prince vient du ciel. Ah Le petit prince vient d'où? Du ciel. Il vient du ciel. The little prince asked what planet the narrator was from. Le petit prince a demandé de quelle planète venait la narratrice. Est-ce que le petit prince a demandé quelque chose Oui, il a demandé quelque chose. Pardon, de quelle planète ou de quel pays Country de quel pays? Non, de quelle planète? The narrator immediately caught a glimmer of light in the mystery of his presence. La narratrice a aussitôt entrevu une lueur dans le mystère de sa présence. And she brusquely interrogated so, you come from another planet? Et elle a interrogé brusquement. Tu viens donc d'une autre planète? Comment? Qu'est-ce que tu as dit? What did you say? Tu viens donc d'une autre planète? Oui, c'est exact, d'une autre planète. Tu viens donc d'une autre planète. Qu'est-ce que tu as dit Tu viens donc d'un autre pays D'un autre pays Non, d'une autre planète. Tu viens donc d'une autre planète. L'histoire complète Chapitre 3 Il a fallu longtemps à la narratrice pour comprendre d'où il venait. Le petit prince qui lui posait beaucoup de questions, ne semblait jamais entendre les siennes. Ce sont des mots prononcés par hasard qui, peu à peu, lui ont tout révélé. Ainsi, quand il a aperçu pour la première fois son avion, la narratrice ne dessinerait pas son avion, c'est un dessin beaucoup trop compliqué pour elle, il lui a demandé, Qu'est-ce que c'est que cette chose-là Ce n'est pas une chose, ça vole, c'est un avion, c'est mon avion. Et elle était fière de lui apprendre qu'elle volait. Alors, il s'est écrié, Comment Tu es tombé du ciel Oui elle dit modestement. Ah. Ça c'est drôle. Et le petit prince a eu un très joli éclat de rire qui a beaucoup irrité la narratrice. Elle désire que l'on prenne ses malheurs au sérieux. Puis il a ajouté. Alors, toi aussi, tu viens du ciel, de quelle planète es-tu? Elle entrevut aussitôt une lueur dans le mystère de sa présence et elle a interrogé brusquement Tu viens donc d'une autre planète Le passage original. Chapitre 3 Il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait. Le petit prince, qui me posait beaucoup de questions, ne semblait jamais entendre les miennes. Ce sont des mots prononcés par hasard qui, peu à peu, m'ont tout révélé. Ainsi, quand il aperçut pour la première fois mon avion, je ne dessinerai pas mon avion, c'est un dessin beaucoup trop compliqué pour moi, il me demanda, qu'est-ce que c'est que cette chose-là ce n'est pas une chose, ça vole, c'est un avion, c'est mon avion. Et j'étais fier de lui apprendre que je volais. Alors il s'écria Comment, tu es tombé du ciel Oui, fis-je modestement. Ah, ça c'est drôle. Et le petit prince eut un très joli éclat de rire qui mérita beaucoup. Je désire que l'on prenne mes malheurs au sérieux. Puis, il ajouta, Alors toi aussi tu viens du ciel, de quelle planète es-tu J'entrevis aussitôt une lueur dans le mystère de sa présence et j'interrogeai brusquement. Tu viens donc d'une autre planète Conclusion. Ceci marque la fin de la 28e leçon. N'oublie pas de la répéter jusqu'à ce que tu puisses répondre facilement. Bonne semaine.